Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gulle pour réaliser cette robe. Donc comme je vous l'ai dit plus loin dans la vidéo, vous pouvez en faire une petite robe, comme vous pouvez en faire un débardeur, ça c'est à vous, selon vos envies. Donc pour moi, pour ma part, c'est une petite robe pour une petite fille allant de 9 mois à 1 an et demi. Et si vous rallongez un tout petit peu au niveau de la taille, je pense que ça ira jusqu'à 2 ans, voire plus. Donc là, vraiment, je n'ai pas ma petite choupette pour mesurer sur elle. Donc, il vous faut deux pelotes de laine, 100 grammes. Prévoyez 150 grammes de laine, les tricopines. Prévoyez deux boutons. Si vous désirez, les tricopines, ne pas mettre de boutons, vous pouvez très bien, regardez, tricoter. Ici, donc là, j'ai mis 30 rangs pour la bretelle, vous verrez tout à l'heure, 30 rangées pour la bretelle. Vous pouvez faire 34 rangs, et de même pour le dos, et coudre les deux bretelles ici. Si vous ne désirez pas mettre de boutons, les tricopines, vous pouvez aussi. Donc, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Alors, pour la petite fleur, vous pouvez prendre vos restes de laine. Si vous avez du coton, vous pouvez prendre du coton. Mais prévoyez plutôt de la laine assez fine, donc de la laine layette, pour que votre fleur ne soit pas très très grande. Donc moi, j'avais des petites pelotes comme ceci. Et donc j'en ai profité pour faire une petite fleur. Donc comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, vous pouvez en faire plusieurs, décorer votre robe comme vous en avez envie, les tricopines. Donc j'espère que j'ai tout dit. Nous pouvons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Mais avant de passer à la partie réalisation, je vais vous donner les mesures en centimètres. Alors, les dimensions ici, du col jusqu'au bas de la robe, nous avons à peu près 32,5 à 33 cm de longueur. Et pour ce qui est de la largeur, donc je mesure ici sous les aisselles, à là, on a 29 cm. Donc si vous utilisez une laine qui est beaucoup plus fine que la mienne, les tricopines, vous pouvez bien sûr. Donc moi, je vous ai donné en nombre de rangs. Vous regardez, j'ai 2 cm au point mousse ici, 23,5 cm à 24 cm à peu près en jersey endroit ici, regardez. Après avoir, donc une fois que nous avons fait, vous allez voir, il va y avoir des diminutions ici, et on repasse au point mousse avant de faire de rabattre pour les emmanchures. J'ai 2 cm. Après, nous allons rabattre nos mailles ici pour l'emmanchure, et après avoir rabattu jusqu'à la bretelle, nous avons 11 cm pour le devant. Et le dos, j'ai fait un peu plus long de façon à ce qu'on puisse, j'ai 16 cm de bretelle pour le dos, 11 cm pour le devant, les tricotines, si vous désirez utiliser une laine qui est différente de la mienne. Comme ça, vous avez en centimètres aussi. Alors, si vous désirez le réaliser en beaucoup plus petit, vous utilisez une laine layette qui se tricote avec des aiguilles numéro 3, et vous aurez un résultat, on va dire, beaucoup plus petit. Donc voilà, et surtout, n'oubliez pas la petite fleur, on l'a fait au crochet. Alors, pour la réalisation de notre robe, les tricopines, moi j'ai déjà tricoté le dos. Donc, le dos et le devant se tricotent à l'identique, sauf que pour devant, au niveau de nos bretelles, nous allons mettre des boutonnières, et ça, nous allons le faire ensemble. Donc, cette petite robe, comme vous pouvez le voir, j'ai monté 80 mailles. Donc, vous allez monter 80 mailles que vous allez tricoter pendant 8 rangs au point de mousse, au point mousse, pardon, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, à l'endroit, sur l'envers aussi.
Donc, une fois que vous avez fait vos 8 rangs, alors si vous utilisez une autre laine et que vous voulez avoir les mêmes dimensions que moi, je vais vous donner en centimètres, ce qui nous fait à peu près 2 cm. Une fois que vous avez fait vos 2 cm, vous allez tricoter pendant 15 rangs à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Pendant 15 rangs. Alors, je vous montre, ça nous fait à peu près ça. Ici, donc je vais mesurer aussi. Alors, ça représente à peu près 4 cm et demi. Une fois que vous avez tricoté 4 cm et demi, si vous la voulez beaucoup plus longue la robe, vous pouvez très bien faire 5 cm. Moi, j'ai fait 4 cm et demi de jersey endroit, donc à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Une fois que vous avez fait 4 cm et demi, vous allez faire des diminutions. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire ces diminutions. C'est très très simple. Donc vous allez prendre votre maille de bordure et les deux mailles qui suivent, vous allez les prendre ensemble comme ceci. Alors, vous les prenez ensemble et vous tricotez. Nous avons fait une diminution. Donc, vous allez continuer à tricoter à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit. Et une fois que vous arrivez à 3 mailles du bord, vous allez faire la même chose. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble et votre maille lisière. À partir de là, vous allez tricoter encore 15 rangs, c'est-à-dire 4 cm et demi, et vous allez répéter encore une fois. Regardez, vous allez refaire une diminution de chaque côté. Vous allez tricoter pendant 4 cm et demi à peu près, et vous allez faire une troisième rangée de diminution, ce qui va faire au total 6 diminutions, vous aurez 74 mailles sur vos aiguilles. Une fois que vous avez vos 74 mailles, vous allez continuer à tricoter pendant à peu près, je vais vous donner en centimètres, 9 cm. Vous allez tricoter pendant 9 cm sans faire de diminution. Donc, au total, vous devez avoir 72 rangs, les tricopines, à peu près. Donc 72 rangs, si vous voulez compter vos rangs, sans quoi c'est donc 15 rangs, une diminution de chaque côté, vous tricotez encore 15 rangs, vous faites une diminution de chaque côté, vous tricotez encore 15 rangs, vous faites une diminution de chaque côté. Nous sommes à 45 mailles et vous complétez le reste jusqu'à obtenir 72 mailles. 72 rangs, pardon, nous sommes à 45 rangs et vous complétez jusqu'à obtenir 72 rangs, les tricopines. Ou alors en centimètres, comme je vous l'ai expliqué. Donc, une fois que c'est fait, donc là je l'ai préparé aussi, là nous allons faire le devant ensemble, nous allons faire des diminutions au niveau de la taille. Alors, nous allons tricoter 2 mailles, notre maille lisière plus une deuxième maille, et on va tricoter 2 mailles ensemble. On tricote 2 mailles, on prend 2 mailles ensemble. On tricote 2 mailles et on fait 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on continue ainsi, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble.
une, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, et on va terminer notre rang ainsi. Une, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Une, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Une, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Donc jusqu'à la fin du rang. Donc, on termine avec deux mailles ensemble et deux mailles à l'endroit. Donc, nous avons fait des diminutions au niveau de la taille. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc, nous sommes sur l'envers et on va tricoter nos mailles à l'endroit. Donc, vous continuez à tricoter vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et après, je vais vous dire, donc vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5. Oui, nous avons tricoté, donc on a commencé à tricoter deux rangs ensemble. Maintenant, vous allez continuer encore pendant 8 rangs à tricoter au point de mousse, et après nous allons faire des petites diminutions pour les manches. Donc on a tricoté un rang ensemble, notre rang de diminution, le deuxième rang. Là, nous sommes actuellement donc sur l'envers. Vous terminez ces deux rangs et vous tricotez encore 8 rangs supplémentaires à l'endroit de chaque côté, et on se retrouve pour faire les diminutions. Une fois que nous avons tricoté nos 10 rangs, donc ça vous fait 5 barres de point mousse, nous allons rabattre 4 mailles. Une, deux, 3 et 4. Nous avons rabattu 4 mailles. Maintenant, nous allons tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, vous tricotez jusqu'à la fin du rang et on se retrouve donc sur l'envers du travail. Donc, une fois notre rang terminé, on tourne et nous allons rabattre 4 mailles aussi de ce côté-ci. Donc une, deux, trois et quatre. Donc une fois que nous avons rabattu nos 4 mailles, maintenant nous allons tricoter pendant 20 rangs à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc on tricote toutes nos mailles pendant 20 rangs et après on se retrouve pour former l'encolure et les bretelles. Donc là, nous avons fait ici, regardez, les emmanchures, et après donc vous tricotez pendant 20 rangs et on se retrouve pour former l'encolure ici et les bretelles. Après avoir tricoté nos 20 rangs, nous allons tricoter 10 mailles. Nous avons besoin de 10 mailles pour nos bretelles. Donc avec la maille lissière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous allons rabattre, alors je ne sais plus combien de mailles nous avions exactement, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48. Donc, nous allons rabattre 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons bien nos 10 mailles sur notre aiguille. Et maintenant, regardez, on va tricoter les deux mailles qui suivent et on va passer par-dessus. On tricote la maille et on peut passer par-dessus. Donc, c'est la méthode du surjet simple pour rabattre souplement. On ne tire pas trop. On va rabattre 28 mailles de façon à ce qu'il ne reste que 10 mailles sur notre aiguille de gauche. Je compte pas le nombre de mailles que je rabats parce que je vais compter le nombre de mailles qui me reste. Et une fois qu'il va rester 10 mailles, ça sera bon. Voilà, j'ai trop avancé les tricopines, voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que nous avons ces 10 mailles, maintenant nous allons tricoter ces 10 mailles pendant à peu près une trentaine de rangs. Alors moi je vais faire en sorte que les boutonnières, je vais les faire sur la partie dos de notre robe, donc ça va être le dos et je vais faire les boutonnières donc sur cette partie là. Vous allez tricoter pendant à peu près une trentaine de rangs. Je vais voir aussi moi de mon côté et on se retrouve donc pour la suite. Voilà, vous ne tricotez que ces 10 mailles et ces 10 mailles sont en attente, donc on les tricotera après. D'abord on s'occupe de ce côté-ci. Tout compte fait, j'ai tricoté 42 rangs. Donc, vous tricotez pendant 42 rangs et après, vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, un jeté. Nous allons former notre boutonnière, 2 mailles ensemble et on tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Nous avons fait une boutonnière ici, les tricopines. Maintenant, vous allez tricoter pendant 6 rangs. 6 rangs et vous allez rabattre vos mailles. Là, nous sommes sur l'envers. Donc, vous tricotez vos mailles
pendant 6 rangs. Nous avons fait donc 2 rangs ensemble. Vous allez continuer encore pendant 4 rangs de façon à obtenir 3 rangées. Comme ceci, regardez, 3 barres de points mousse. Donc, vous pouvez en faire 6 ou 8, c'est comme vous désirez. Une fois que vous avez terminé, vous allez rabattre. Après, vous allez passer à l'autre côté que nous avions laissé en attente. Vous attachez votre laine ici, comme nous avions tricoté sur l'endroit. Donc, vous allez tourner, vous allez attacher votre laine ici et vous allez tricoter pendant 42 rangs. Une fois que vous avez fait vos 42 rangs, vous allez faire votre boutonnière, tricoter pendant 6 rangs et vous allez rabattre. Donc ça, c'est le dos. Pour le devant, vous allez faire exactement la même chose. Les deux parties, comme je vous ai dit, sont identiques. Vous faites exactement la même chose, sauf que au niveau des bretelles, ici, vous allez faire pour les devants 30 rangées. Vous faites 30 rangées, 30 rangs et vous rabattez. Donc, et après, on se retrouve pour la suite. Alors, la robe est totalement terminée. J'ai cousu les boutons. Alors, je les ai mis bien tout au bord, ici, en haut, parce que, voilà, c'est comme ça que ça allait le mieux. Donc, là, j'ai fait au crochet une petite fleur que je vais partager avec vous aussi tout à l'heure. Donc, j'ai cousu les côtés de notre robe, les deux côtés, et voilà le résultat. Nous avons une petite robe. Alors, je pense que ça peut aller d'un enfant de 9 mois à, enfin, ça dépend, peut-être jusqu'à 1 an et demi, je sais pas. Donc peut-être jusqu'à 2 ans aussi si vous rallongez un tout petit peu, parce qu'au niveau de la largeur, on est bien. Regardez les tricopines, vous pouvez aller jusqu'à 2-3 ans, et il faudrait simplement que vous rallongez un petit peu au niveau du bas pour l'adapter à des enfants beaucoup plus grands. Vous pouvez aussi l'utiliser comme débardeur, regardez. Tout simplement, vous pouvez juste à ce niveau-là rallonger. Ici, vous vous souvenez quand on avait rabattu les 4 mailles pour leur manchure, on a tricoté 20 rangs. Vous pouvez tricoter pendant 25 rangs et faire un gilet pour des enfants de 5, 6 ans, voire 7 ans. Voilà, donc vous pouvez, en rallongeant un petit peu la longueur, faire ce que vous voulez, donc en faire une robe ou un débardeur. C'est à vous de voir, les tricopines. Donc, pour la petite fleur, alors je l'ai faite au crochet. J'ai des petites pelotes comme ça de coton. Alors, on va faire un nœud et on va faire 30 mailles chaînettes comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, décidément, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23. 25. Donc, ne serrez pas trop vos mailles chaînettes. On en fait 30. Et maintenant, regardez. Un jeté, nous allons faire une bride dans la quatrième maille. C'est-à-dire 1, 2, 3, ici dans la quatrième. Et je fais des brides simples. Maintenant, je vais faire une maille chaînette et je vais aller, regardez, je passe un espace ici et je vais dans le deuxième et je vais faire une bride, une maille, un jeté et je reviens piquer dans le même espace. Une chaîne, un jeté, et là regardez, on passe un espace et on va dans le deuxième et on fait une bride, une chaîne, un jeté et encore une bride dans le même espace,
une maille. Notre fleur se fait sur deux rangs seulement, les tricopines. Donc, on passe un espace là et on va piquer dans l'espace suivant. Et on fait donc on continue une chaîne et on va faire donc on passe un espace et on va dans l'espace suivant et on fait une bride, une chaîne et encore une bride dans le même espace. On va continuer ainsi jusqu'à ce que nous en ayons 14. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en a fait 5. Il faut que nous en ayons 14 au total. On passe un espace et dans l'espace qui suit, une maille. Et dans le même espace, une maille chaînette et on passe un espace dans le deuxième espace. On refait exactement la même chose. On fait une maille. Donc l'espace qui suit, on s'en occupe pas, on va dans le deuxième espace et on fait une bride, une maille et dans le même espace encore une bride. Donc on termine, je vais terminer avec vous, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une maille, donc le 11e, le 12e, une maille, 13e, et on va venir piquer ici, regardez, dans la dernière maille. Et on va faire une bride, une maille, et dans le même espace, une deuxième bride. Une maille, et on tourne. Et maintenant, dans cet espace, nous allons faire 4 brides. Une, deux, 3, 4. Dans l'espace ici, regardez, ici, on va faire une maille serrée. Ajouter et dans le... Regardez, c'est dans ces V que nous avons fait ici, on va faire encore 4 brides dans le même espace. 2, 3,
et 4. Dans l'espace suivant, ici, une bride. Dans cet espace, 4 brides. Dans l'espace ici, une maille serrée. Et juste après, donc ici, 4 brides. Une, deux, trois et quatre. Et ici, une maille serrée. Alors, maintenant, nous avons fait, regardez, quatre groupes. Une, deux, trois, quatre. Quatre groupes de quatre brides. Maintenant, nous allons faire quatre groupes de cinq brides. Donc, dans cet espace, ici, nous allons faire cinq brides. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée dans l'espace qui suit et encore cinq brides dans l'espace suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée dans l'espace qui suit. Encore deux. Donc ici, cinq brides. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée dans l'espace qui suit. Et dans cet espace, encore 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, nous allons faire, alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, nous allons faire des groupes de 6 brides. Donc, toujours dans les espaces en V, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille serrée dans l'espace qui suit et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'espace qui suit, une maille serrée et encore dans cet espace, 1, 6 brides, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'espace qui suit, une maille serrée. Et donc, dans l'espace suivant, 6 brides. 3, 4, 5, 6, et on continue, une maille serrée, et dans l'espace qui suit, donc dans les V, on fait 6 brides maintenant, et nous avons presque terminé, 3, 4, 5, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'espace qui suit,
une bride, pardon, une maille serrée, et on termine avec 6 brides dans l'espace, le dernier espace. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. On va venir faire une maille serrée ici, comme ceci, une maille chaînette, et nous avons terminé. Donc, vous pouvez, si vous désirez, les tricopines, faire, si vous voulez des plus grosses fleurs, vous pouvez, par exemple, là, nous avons fait 30 mailles chaînettes à la base, vous pouvez en faire 60, voire 90, si vous voulez des roses beaucoup plus grosses. Voilà, maintenant, nous allons prendre notre aiguille. Alors, évitez de prendre des aiguilles à laine où les bouts ne sont pas assez pointus, parce que là, il va y avoir de la couture. On va fixer la rose, notre fleur. Alors, voilà. Donc, on prend un petit bout de laine. Et maintenant, et alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, on range ces bouts de laine avec à l'aide de notre crochet. On va les mettre comme ceci, on va les glisser à l'intérieur. Et on coupe. Et on fait pareil pour l'autre extrémité ici. Nous sommes sur l'envers. Voilà. Maintenant, on va commencer. Regardez, nous avions commencé avec ici, avec des groupes de 4 brides, et on va plier notre première pétale. Regardez, ça nous fait plusieurs pétales. Donc, on plie, et avec l'aide de notre aiguille, on fixe. Comme ceci. Et maintenant, on va continuer, regardez, à plier. Et aussitôt que nous avons plié, tout de suite, regardez, on fixe. On plie. On fixe. J'ai un nœud. Voilà. On roule. Alors, si vous voulez une petite fleur, vous serrez un petit peu. Si vous voulez une plus grande fleur, vous pouvez laisser un peu plus lâche. Regardez. Et on fixe tout de suite. Regardez, je vous montre. On entoure ici. Et ici, regardez, tout de suite, on fixe comme ceci. Et on continue, donc voilà. Et nous avons, regardez, terminé. Et on fixe.
Quand je dis en fixe, on coud de façon à ce que ça ne se... Ça, de façon à ce que notre fleur ne s'ouvre pas. Alors, vous pouvez laisser, regardez, votre bout de laine assez longue de façon à pouvoir, regardez, à pouvoir le coudre. Alors, on peut, si on veut... Alors, moi, j'ai mis une fleur. Vous pouvez, si vous le désirez, en mettre trois. En mettre ici tout le long, regardez, comme ceci. Ce qui n'est pas plus mal non plus, regardez. Vous pouvez, si vous désirez, les approcher. Ou alors, en mettre une ici et une autre ici. Moi, j'en ai mis juste une ici. Peut-être que celle-ci, je la mettrai aussi à côté. Comme ceci. Voilà les tricopines. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Surtout et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.